Bon, ben, yop, bonjour tout le monde. Nous sommes en soirée le 20 août. Bon, ben là, aujourd'hui, je vais essayer de faire une seule vidéo, toutes mes belles séquences que j'ai eues cette semaine, en fin de semaine sur Mario Kart 8. OK. Puis, les vidéos qui vont sortir avant que je parte en vacances jeudi, ça va être les meetings Street Pass, entre autres. Puis, je vais essayer de faire mon épisode qui est dans le pot, Mario Party 2. Mon épisode de Mario Party 2. OK, puis c'est ça qui va sortir comme vidéo prochainement. Je fais ça en mode accéléré pour après ça que ça soit revenu au calme, puis que je pourrais prendre le temps pour faire le reste après. Bon. Puis là, ça commence à s'améliorer graduellement. Mais lentement, pour mes statistiques, ça va de mieux en mieux pour Mario Kart 8, là. Vu que là, que je joue plus contre des personnes que je trouve empoisonnantes, des joueurs qui jouent ensemble, OK, quand je vois des joueurs comme Ewan puis et compagnie, je joue pas dans ce genre de match-là. Ça me dérange pas de jouer contre Yi et Slim parce que je sais qu'ils jouent pas ensemble. Fait que pour moi c'est correct de jouer contre eux, mais si par exemple Slim ou Yeye sont rejoints la gang des One, Dente et compagnie, je n'y vais pas. Je vous avertis, je n'y vais pas parce que je sais que ces gens-là vont jouer en équipe. Je suis convaincu de ça. Je suis convaincu de ça parce que j'ai joué à de multiples reprises avec eux autres auparavant. Oui, là je suis rendu par rapport à 50% du tour, j'étais à moins 400. 36. Avant, j'étais peut-être descendu vers les moins 600. Je vais m'excuser pour l'introduction, comme je disais, par rapport à 50% de victoire, je suis à moins 436. Avant, j'étais toujours dans les moins 600, là, pratiquement. Là, j'ai bloqué à moins 550. Là, ça va ça progresse de mieux en mieux. Mais il y a encore des trucs à améliorer. Bon, OK. Là, allons-y avec mes bonnes séquences. Vu que je suis plein, là. Je pense pas que j'aurais réussi ça à faire une vidéo, peut-être en deux. J'avais dit en un, je vais essayer, mais pas sûr. C'est 6-5 ans, ça va rendre. On entend une seule, puis vous montrer la fin. Comment ça s'est terminé. En tout cas, ça s'est terminé quand même très bien, Seigneur. Et toi, à la fin, si je dépasse les trois autres qui sont en avant, si. Salut! C'est une première! Et j'ai joué contre un joueur qui se nommait Kelly. Elle était drôle, hein? Genre, quand elle avait pas la première place, elle disait c'est pas juste. La prochaine est pour moi. Oui, la prochaine était pour elle quand on était juste à 5 joueurs. Mais quand quelqu'un a commencé à avoir 8 joueurs, ça a commencé à être un petit peu difficile pour elle. Puis quand elle a perdu 2 matchs d'affilée, alors qu'elle était 5, elle a fini 5e environ, puis elle a pas fini première, elle disait que partie, cette personne-là. Moi j'ai réussi à la battre 2 fois, je l'avais battu la première fois, la deuxième fois elle m'avait battu, la troisième fois je l'avais battu, et la quatrième fois elle m'avait battu. J'ai eu de la chance d'en avoir des trucs carapaces rouges, c'est ça qui a fait en sorte que j'ai pu gagner contre elle. À de nombreuses reprises. Ouh, qu'est-ce que c'est ça? En tout cas, j'ai eu quand même des bonnes séquences à vrai dire. Là, je vais vous montrer comment je peux être patient avec un trip de carapace rouge. OK, il va y avoir des carapaces rouges, ça c'est clair. Il va y avoir aussi autre chose aussi. Il va y avoir aussi des bonnes batailles en première place que je vais vous montrer. Ça c'en est une bataille dès le premier tour. Vous allez comprendre le pourquoi ici. Puis c'est dur que je gagne contre Mekche parce qu'il risque d'être devant moi pareil. À la toute fin. Puis quand je vais me battre contre lui, ben j'ai jamais les items appropriés. Ben là ici, c'est le joueur de Waluigi Arnold qui va être le Suisse qui est en avant, en première place. Là lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se protéger avec sa banane. Moi, écoutez, moi je suis pas con, ok? Je vais pas commencer à me dire avant de le foncer dedans pour essayer de contenir comme ça, j'aurais de vivre sa banane, fait que moi je vais essayer de le contourner d'une autre façon. En allant sur le côté, puis lui il va essayer de me stopper
en me poussant. Il fait carrément exprès de te tasser pour se ralentir, mais il voit que ça marche pas. Regardez ça, la déviation, là. Là, j'ai réussi à contourner comme ça. Il a tenté de me faire ce chien sale là, mais il a pas réussi. Bon, moi, je reste patient et j'attends le bon moment pour pouvoir passer. Et là, il a sa banane, mais hors cible. Il aurait dû le faire pendant que j'étais en arrière de lui. Toujours en arrière. C'est pour ça que je vous dis que je vous trouve que très lent dans vos actions. Moi, j'hésite pas une seconde. Moi quand je sens le feeling, il faut que je laisse ma banane derrière, je laisse ma banane derrière. J'attends pas que l'autre me dépasse. Que je suis capable de le dépasser après. Non. Bon, regardez qu'est-ce qui va se passer ici. Là, il va ralentir. Là, attention. Pouf, pif, paf. Vous avez vu? Regardez ça au loin. J'espère que vous voyez bien. Attention, là, pouf, pif, paf, direct sur lui. Oh yeah! Ben, il a reçu des balles de feu de la part du troisième joueur. Ben, après ça, ben, il a ralenti un peu. Puis, il a reçu ma carapace dessus. Direct dans le mille. Dans le mille pour moi. Vous voyez, moi, je prends pas de temps, moi. Moi, quand je sens que je vais le faire, je le fais. Quand je me sens plus menacé, ben, je vais garder ma banane pour me protéger. Si jamais quelqu'un se rapproche, je vais essayer de lui mettre des obstacles devant lui pour qu'il vise dessus. J'attendrai pas que quelqu'un me fonce. Si quelqu'un veut essayer de me foncer dedans, ben c'est lui qui va se retrouver. Et c'est pratiquement sûr à 95% du temps là, que vous allez recevoir mon item. Si vous essayez de me doubler là, en me fonçant dedans, il y a de très bonnes chances, okay, que vous retrouvez en arrière. Le mieux que vous puissiez faire, c'est fait comme que j'ai fait. Ça peut être pareil comme que quelqu'un se prenait avec une carapace verte. Dans ce cas-là, tu passes à côté. Tu attends le bon moment pour passer en avant. Mais fais attention pour ne pas être devant lui, sinon il a déjà sa carapace verte sur toi. Mais quand tu réussis bien ton coup comme celui-là, comme j'ai fait ici, là, eh bien, tu as de bonnes chances de remporter facilement ton de ta course en première place. Ça, c'était quoi au juste? Attends, je sais même pas c'est quoi ici. Avec David. David, il reste pas longtemps, lui, hein. T'es au moment qu'il perd, il s'en va, c'ti. Au bout de deux courses, il s'en va, c'ti. J'ai battu deux fois de suite, c'ti, puis c'est en allé. En fait, non, même pas, génial. Je viens toujours de rentrer dans la salle, puis il gagne, c'ti. Je vais aller voir c'est quoi, là. Ok, il gagne la première place, on va aller voir c'est... Ah oh oui, je m'en souviens maintenant. On va regarder ça ici. C'est grâce à cette banane-là que j'ai battu Yéyé. Ouais, un seul item, banane. Fini comme ça. Et voilà, j'ai gagné comme ça. Grâce à une banane bien placée. Je suis en deuxième place. Moi, je vais oser. Moi, attendez pas le diable. Au moins, il a quand même essayé, de laisser sa banane pour que je glisse dessus, mais j'ai prévu le coup en me tassant sur le côté droit. Tout juste à peu près à cet endroit-là. Non, il n'y avait pas de banane ici. Non, il s'est pas déjà avec sa banane. Dès le départ. Bon, attention, quand je suis en arrière, ça peut être dangereux parce que si j'ai un état approprié ou bien quand je sens qu'il y a personne qui me lance ou pas menacer en arrière, je vais oser comme ça. Et voici le résultat. Youhou! Sauf que vous essayez de me lancer sa banane devant, mais ça n'a pas marché. Là, j'ai un beau petit champignon. Qu'est-ce que je vais faire avec ce champignon-là? Ben, prendre un petit raccourci, pourquoi pas. Vu que je suis tranquille, là. Et les deux autres qui étaient en arrière, en deuxième, en troisième place, il m'a pas reçu de champignon, mais c'est bien en quatrième place, lui.
Une banane. Là, maintenant, ça va être le festival des carapaches rouges. Oui, un gros festival. Parce que je te dis, ouf, un festival des carapaches rouges. Comment bien gérer ça? On attend? On lance-tu par derrière comme un con? Hein? On lance-tu par derrière comme un con? Comme il y en a un qui l'a fait? En troisième place la dernière fois? Hein? T'es-tu drôle, toi? Check ça, moi, comment que je joue. Tu me diras qu'est-ce qui est mieux entre quelqu'un qui lance sa dernière carapace rouge en arrière, en fin de partie, alors qu'il garantit avoir deuxième place, si t'es pas d'un double champignon d'un autre joueur. En plus, qu'il avait peut-être plus deux pièces avant. Oui, ça va me lancer ça carrément en arrière, alors que j'ai juste eu l'eau qui avait le champignon, ou juste carapace rouge. J'avais même pas eu de tirer dessus, de toute façon. Je sais pas si j'avais peur que quelqu'un d'autre avait un truc de carapace rouge, mais c'était pas le cas. Salut! Ben, bye bye! Je te charge en compte 3e. Là, il a vraiment été patient, ce joueur-là. Il a vraiment bien joué là-dessus. Là, regardez ça! Tu vois, carapace rouge, à la fin du premier tour. Tu sais, qui est ça, l'autre qui a plante piranha? Il va essayer de m'esquiver, mais regardez comment que je suis impatient. Tu penses vraiment que tu vas me faire avoir comme ça? Là, tu rêves en pleurs, là. Je sais que je dois pas passer devant toi. Il faut juste attendre un bon moment pour te tirer ma carapace. Même si tu essaies de m'éviter, ça sert à rien. Tu pètes! Mais à quoi on va me servir deux autres carapaces rouges à me protéger? Mais il n'y a rien qui va se passer du tout. Oh, sauf la carapace verte. Je m'en lance dessus. Oh, pas je l'ai eu, esti! Ah, je viens de le voir, esti. Je viens de voir que je l'ai pogné avec ma carapace rouge. Fait que ça. Ah, en même temps qu'il se fait pogner avec une carapace rouge. Ah, ben si, il y avait toute carapace rouge en plus. Oh boy. Et ben, je suis vraiment chanceux de ne pas avoir été mal pris là-dessus. Seigneur, il y avait toute carapace rouge en plus. Je suis vraiment chanceux là. Chanceux rare. Ne vous inquiétez pas, je reste encore en première place. En tout cas, j'ai changé, il y a une petite carapace rouge sur ce maillot Tanuki là. Oh là, dans ma carapace rouge, je gagne. C'est le dernier tour, fait que pas de stress. De toute façon, je suis trop loin pour me faire atteindre par le boomerang. Mais c'était bien joué de la part du bébé Rosalina quand même. Ce qu'il a fait, c'était vraiment bon. Moi, j'ai trouvé ça bon. D'autres trucs de carapace rouge en vue. C'est le party time. Ah, c'est tout facile, c'est comme Zelda. Ah ben, donc. Tu joues avec un ami. Mais pas trop menaçant, au moins. Ah là, il était chanceux.
Okay. Bye bye, bon voyage et non, je te laisserai pas passer même si t'es un champignon. Désolé. Oh non, c'est pas vrai ça. Oh, une autre carapace rouge. Salut Zelda, bye bye. C'est que Zelda ça. Ouais, il joue le rôle. Elle joue rêve ou bien il joue rêve, je sais même pas si c'est un bon effet qui joue. Elle est souvent fan de Zelda, cette personne-là. Yes, aïe. Je pense que c'est David qui est en avant, c'est qui? Je sais pas. Oh boy! Mais c'est qui l'autre qui va essayer? Hey, Dokkan Master! Check it, c'est ça que je te parlais la dernière fois là. Truc carapace rouge, ok. Au même moment qu'une carapace bleue apparaît, lui il essaie d'arrêter devant moi, mais j'étais assez loin quand même pour les... Je savais qu'il allait faire cette crosse-là, ben tu sais, il aurait pu... C'est ça qu'il a fait, j'ai juste à rester patient, puis voilà. L'autre qui a un champignon, qui oserait devancer un joueur qui est en première place avec un truc carapace rouge? Ben, personne. Fait que moi, je suis tranquille. Non, ça c'est horrible, ça c'est cette bombe-là. Regardez, je suis vraiment tranquille. Y'a rien qui va se passer, y'a rien de majeur qui va se passer là. Voilà. Gagner la première place assez facilement. Regarde un truc carapace rouge à la fin. Au dernier tour, ouais, puis carapace bleu qui est passé au passage. Si vous imaginez réellement que je vais me laisser faire comme ça, oubliez ça. Vous êtes dû pour une carapace bleue, c'est vous qui allez à manger, pas moi, ok? Arrêtez de me faire ce genre de chien sale là. Si vous voulez réellement prendre de l'avance sur moi, ok? Mettez donc des obstacles en avant. Mettez donc des attaques derrière vous. Vous tirez des carapaces vertes. Attendez pas que vous soyez le mal chanceux qui soit mal fait avec un truc de carapace rouge. Contre une petite carapace rouge, tu sais ce qui va arriver ici. Mais lui, quand même, il serait bien battu pareil, là, il serait bien défendu, ce joueur-là. Le joueur japonais, genre, le truc du Mimo que j'avais joué contre lui, c'est il joue. Lenny. Je confonds pas avec un autre personnage. En tout cas, c'était quand même une belle bataille contre nous deux. C'était une belle bataille quand même. Pour la première place. Sauf que je suis un peu déçu que le joueur qui a perdu, qui était à au-dessus de 80 000, a décidé de quitter après. Moi je trouve ça un peu poche de sa part. Tu sais, je viens de rentrer et c'est moi qui gagne grâce à le truc carapace rose. Grâce à des carapaces roses entre autres. Là vous voyez qu'il y a une carapace rose en arrière, mais... Sauf qu'il y en a un qui s'en vient me mettre devant moi. Il n'y a personne à qui attaquer avec le laisse en arrière, ma banane. Oh, une étoile! Ouh. Au titre carapace rouge. Oh mon dieu. Quel dommage pour le joueur bleu. Il va se retrouver à se ramasser avec deux carapaces rouges. Bye bye. Allez, on va. Allez, go en avant contre le joueur. Oh, un autre carapace rouge, il faut en profiter dans ce temps-là. Sauf que je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que ce joueur-là avait un truc banane avant. C'est pour ça que ça s'est pas. Qu'il a pas été ralenti. Je le rattrape quand même. Attention, il n'y a pas juste une fois de carapace rouge, mais deux fois dans la partie. Là, c'est une carapace verte. Hop, il se bat. Et après ça, c'est quoi? Une carapace rouge. Après ça, ça va être triple carapace rouge. Là, oublie ça, il ne pourra plus s'en sortir à partir de là. Ça, c'est clair. Oh!
Attention, Watatao! C'est direct à la fin. Dernier item, truc à la page rouge en deuxième place, Watatao! Oublie ça, là, il est mort. Eh bien, c'était merveilleux quand même. Hein. C'est quand même une bataille, hein. T'sais, faut pas s'en cacher, c'était une bonne bataille, bel essai quand même. Avec la banane ou le carapace là, c'était un bel essai ça, vers le dernier tour. Bon, ensuite, comment c'est passé, en tout cas, c'était une drôle de fin là, pour vous dire là. C'était vraiment une drôle de fin. Et puis surtout, Seigneur, j'ai fait, je pense, 3 rattrapages là, durant cette game-là. Seigneur, c'était carrément fou. Je peux rien contre un truc carapageau qui est en arrière de moi, là, au loin. Pas le choix. J'ai encaissé le coup. J'étais vraiment chanceux de finir premier, là, ici. Dernier item. Une étoile en 4e place. Watatao! C'est qui ça? Puis t'inquiète pas, Sam, ça va être demain pour certains de nos matchs de mes belles séquences contre toi à Super Smash Bros. Voir vidéo. Dont le jeu de Dragon Ball Z que t'appelais. Yoshi Habitant. Je vais faire des méthodes dessus en même temps que tu m'utilises ta fusée. Faire on coche tous les deux. Toi, tu ricoches en bas, moi vers le haut, puis c'est moi qui gagne. Mais ça aurait pu, on aurait pu mourir les deux en même temps, pour une mort subite. Bon, regardez, là, départ, ça va. Ah, ben non. Là, je suis en première place, mais je vais être malchanceux. Pas une pièce, carapace rouge qui s'en vient. En plus, carapace bleue au passage. Aïe. Bon, ben, me revoilà de retour en 4e, 5e place. 4e, 5e. Ah. Non, mais quand même, ça va atteindre la cible pareil, vu qu'il est juste devant moi, il aurait dû se tasser. Oh shit. Oh boy, en fait, il pogne la banane si je suis ensemble, mon dit. Hein, je suis là. le joueur qui jouait l'ennemi, j'étais là, et boy, il a pogné la banane, mais c'est. Je sais pas ce qu'il pouvait laisser là. Non, ça, c'est un deuxième rattrapage. Je suis en 4e place. Oh! Attention! Une étoile! Wow! Ta taupe! Comme dernier item! C'est merveilleux! Ah ah! Je comprends qu'est-ce qui s'est passé. Ah oui! Probablement que la personne a eu un truc carapace rouge, c'était pour ça. Je vais pas en profiter, mais il est arrivé quelque chose qu'on... Il faut que j'aille voir ce jeu-là, ok? Papa contre Sakura. Parce que quand même, c'est une adversaire de taille parce qu'elle gagne pratiquement souvent. Bon, voilà, motif assaillant, j'ai hâte de voir le jeu de papa. C'est drôle, papa. Papa! On va juste aller voir le jeu de la fin. Voir ce qui s'est passé. Exactement ce que je me disais, il y avait eu très de carapace rouge. Pour ça qu'il a réussi à rattraper le joueur. Il aurait pu gagner la première place, au moins il n'y a pas plus de sa chance. Mais j'arrive. Juste à côté avec une étoile, puis c'est moi qui gagne de justesse. C'est lui qui aurait dû gagner au bout du compte. Carapace rouge, il y a un truc carapace rouge après. Là, je crois qu'il a fait juste une erreur, le joueur. Il était correct rendu là. Il avait le temps de le dépasser.
Il a lancé trop de carapace rouge. 3 c'était assez. 4 c'était là, 4 c'était intense. Je pense qu'il aurait dû garder son autre carapace rouge contre moi pour avoir la première passation de la première place. Je pense que ça ne rendait pas que je dépasse de justesse comme ça. On le voit ici. Mais. Vous voyez ici? Juste à l'écran ici. C'est moi qui ai. Juste d'un cheveu que je gagne. D'un cheveu que c'est moi qui a franchi la ligne d'arrivée avant le joueur de Wario. C'est d'un cheveu j'ai gagné. C'était lui qui était supposé de gagner, mais grâce à mon étoile, j'ai pu réussir de justesse comme à l'habitude de réussir à remporter des matchs aussi serrés comme celui-là. Bon, ok, ben. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo aussi. Mes bons coups comme des matchs comme celui-ci, genre ce que j'ai gagné de justesse. Puis c'était ma dernière course que j'avais faite, je crois, hier. Bon, ben sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée et à une prochaine fois.